Aujourd'hui, une visite récréative mais aussi éducative s'ouvre à nous, car le Muséum National d'Histoire Naturelle constitue à lui seul un univers passionnant pour les petits comme pour les grands. C'est par le train que nous décidons de nous rendre sur ce lieu qui témoigne de cette épopée de la connaissance sur le site du Jardin des Plantes qui est le cœur historique du muséum. C'est par la seule comparaison des objets qu'on apprend à les connaître. Et pour les comparer exactement, il faut les voir ensemble. Les botanistes furent les premiers à en sentir le besoin. À cette époque, la science des végétaux n'était pas aussi avancée que la zoologie. Alors, dès 1626, à la sollicitation du médecin, vétérinaire et anatomiste Jean Hérouard, Louis XIII autorisa par lettre patente la fondation à Paris d'un jardin botanique. Mais ces lettres ne furent pas exécutées, notamment en raison de la mort de Jean Hérouard. En 1640, toutefois, le Jardin royal des herbes médicinales fut créé, et celui-ci prit le nom de Jardin du Roi en 1739 sous l'impulsion de Buffon. Ce célèbre naturaliste mit toute son ardeur pour réaliser un ouvrage qui a représenté à l'époque comme la plus belle institution qu'on eût jamais formée pour le progrès des sciences. Mais il a fallu encore attendre le 10 juin 1793 pour que naisse enfin le Muséum d'Histoire Naturelle tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, outre de nombreux travaux, crée alors la ménagerie, qui fut alors l'un des plus anciens zoos du monde. Il ramène d'Égypte pour cette occasion une girafe nommée Zarafa. Débarquée de Marseille en 1826, elle se rendra à pattes au Jardin des Plantes, soit 880 km où elle fit une arrivée triomphale le 30 juin 1827. Plus tard, entre 1877 et 1889, Jules André fait construire la galerie zoologique, l'actuelle grande galerie de l'évolution, ainsi que celle de paléontologie et d'anatomie comparée que nous allons visiter. Dès que nous nous présentons en face de la galerie de paléontologie, qui nous intéresse donc aujourd'hui, nous sommes immédiatement touchés par la grâce de la magnifique architecture de cet édifice qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900 et qui est l'œuvre de l'architecte Ferdinand Duterre. Immédiatement après avoir franchi les marches d'entrée de la galerie, nous sommes interpellés par une majestueuse statue allégorique en marbre représentant un orang-outan étranglant un sauvage de Bornéo. Puis en pénétrant plus loin au sein de cette galerie fantastique, le regard se porte aussitôt sur la sculpture d'un écorché humain. Il s'agit ici de l'œuvre d'un sculpteur français, Jean Pancrace Chastel. Après cette entrée dans le vif du sujet, une vue circulaire permet d'embrasser la première partie de la visite constituée par les squelettes d'animaux vertébrés terrestres. Plongé dans cet impressionnant bestiaire, il est évidemment impossible de s'attarder sur chaque spécimen et quelques-uns seulement vont particulièrement retenir notre attention. Le rhinocéros tout d'abord, ce mammifère dont la masse peut dépasser les 3 tonnes, est actuellement en voie de disparition, notamment à cause du braconnage dont il est victime en raison des prétendues vertus médicinales liées à ses cornes. Un autre spécimen plus loin est aussi présenté dans cette galerie, il s'agit du rhinocéros de Versailles. Arrivé à la ménagerie royale en 1770, on peut en voir ici le squelette, alors que l'animal naturalisé est exposé un peu plus loin dans la grande galerie de l'évolution. En cheminant le long des allées, les chameaux et dromadaires sont aussi présents. Ces carmélidés ont largement été domestiqués et se retrouvent également dans les assiettes comme plats de fête en Afrique et Moyen-Orient. Plus loin, nous découvrons des spécimens de taureaux et d'élans.
Ce qui retient surtout notre attention, c'est le buffle. Cet animal grégaire et dangereux, qui arbore des puissantes cornes, est tout à fait capable en Afrique de tuer des chasseurs et même des lions, qui sont pourtant leurs plus grands prédateurs. Des guépards, des ours et des tigres cohabitent sur la partie centrale de la galerie, où cette proximité tend à nous montrer toute cette diversité et la formidable adaptabilité de la vie dans chaque milieu. La girafe illustre parfaitement cette adaptation et nous dévoile, après des millions d'années d'évolution, son anatomie unique, avec son cou particulièrement allongé, lui permettant de brouter les feuilles dans les arbres les plus hauts. Enfin, l'éléphant est présent au centre de la galerie. Ce mammifère qui peut atteindre 7 tonnes est le plus gros animal terrestre actuel présent sur notre planète. Au fond de la galerie sont exposés des squelettes des spécimens marins, dont celui de la baleine, du dauphin, de l'orque et du cachalot, mais également celui du baleinoptère ou rorqual. Cet animal, aussi appelé la fausse baleine, est le deuxième plus grand en taille existant sur la planète, en second lieu seulement à la baleine bleue. Il peut atteindre une longueur totale de 27 mètres. Après avoir gravi un majestueux escalier, qui comme la mezzanine forme ensemble des belles rambardes en fer forgé à décor naturaliste, nous atteignons le premier étage de la galerie. Cet étage nous réserve une découverte de fossiles et permet donc de retracer 600 millions d'années de l'histoire de la vie depuis l'apparition des premiers invertébrés. Sur la mezzanine du deuxième étage, un balcon circulaire nous laisse alors découvrir les mollusques qui sont parmi les premiers animaux pluricellulaires fossiles. Ils constituent ce que l'on dénomme la faune d'Ediacara. Mais la partie la plus fascinante de cette visite est sans aucun doute celle de l'époque mésozoïque, entre moins 250 et moins 66 millions d'années, alors que les dinosaures ont peuplé alors notre planète. Comment alors passer à côté du Diplodocus, le fossile le plus fréquemment exposé dans les musées? Ce très grand dinosaure herbivore peuplait il y a 150 millions d'années l'actuel ouest des États-Unis. Le Mégalocéros a été l'un des plus grands cervidés de tous les temps. Il pouvait atteindre une hauteur de 2 mètres au garrot. Bien que vivant dans toute l'Europe et dans une grande partie de l'Asie, il est souvent surnommé l'élan irlandais, car de nombreux spécimens ont été retrouvés dans les tourbières du pays. Le Megatorium est une espèce de paresseux géant qui a disparu il y a environ 11 000 ans. Il habitait alors les régions peu boisées et les prairies de l'Amérique du Sud, où il était une espèce endémique. Il mesurait environ 6 mètres pour un poids total de 4 tonnes. On suppose que les causes de son extinction pourraient être en rapport avec la prédation humaine.
Le mammouth est un genre d'éléphant éteint aujourd'hui. En Europe, le mammouth a côtoyé l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. La datation de sa disparition reste aujourd'hui encore incertaine. En effet, jusqu'à présent, on pensait que la période se situait il y a 12 000 ans. Mais de nouvelles études laisseraient à penser que pour le mammouth laineux de Sibérie, par exemple, la date pourrait se situer seulement il y a 5 000 ans. Le crocodile géant possède un museau très allongé, avec de nombreuses dents, plus de 100, et l'extrémité de son museau comprend une excroissance osseuse. Il pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres de long et peser jusqu'à 8 tonnes. Le glyptodon est un mammifère et non pas une tortue. Il a disparu il y a 10 000 ans, après plusieurs périodes de glaciation. Ce spécimen a été découvert au 19e siècle en Argentine et s'apparente à un tatou géant. L'Aepyornis était un oiseau vivant sur l'île de Madagascar jusqu'au début du XVIIe siècle. En effet, l'extinction de ces curieuses créatures n'est pas très ancienne et leur souvenir est resté dans les traditions des Malgaches qui se servent des œufs intacts qu'ils utilisent souvent comme urnes. Le Triceratops est un genre éteint célèbre de dinosaures herbivores et vivait il y a 68 à 66 millions d'années dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Il possédait une grande collerette osseuse, trois cornes et quatre grandes pattes. De ce fait, il montrait quelques similitudes avec le rhinocéros. Il a notamment vécu à la même période que le redoutable tyrannosaure dont il était la proie. Voici sans doute le dinosaure carnivore le plus célèbre au monde, le tyrannosaure, connu sous le nom de T-Rex ou Tyrannosaurus, qui signifie en latin « roi des lézards tyrans ». Il pouvait peser 7 tonnes et mesurer 7 mètres de haut. Il s'agit bien là du dinosaure qui a reçu le plus d'attention médiatique par son rôle de premier plan qu'il a joué dans les films Jurassic Park. Bref, ce dinosaure n'était pas un tendre. Il faut dire que sa réputation de férocité ne peut être usurpée lorsqu'on observe sa mâchoire, avec ses dents pouvant atteindre jusqu'à 30 cm et arracher jusqu'à 35 kg de viande d'un coup. Attention donc à ne pas laisser traîner sa main. À travers cette visite au sein du muséum, un haut lieu scientifique, patrimonial et historique, au service de la société, un monde s'est ouvert devant nos yeux. Il paraît en effet essentiel pour tous que la culture scientifique et naturaliste, à travers ses fonctions de conservation, de recherche et de diffusion des connaissances, permettent de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de notre planète.